En Grèce, les avions et les hélicoptères des pompiers ont repris leur rotation pour tenter de freiner l'incendie qui ravage un massif sur le golfe de Corinthe. Les vents se sont renforcés, l'incendie n'est pas maîtrisé et des renforts ont été acheminés de tout le pays. L'objectif des pompiers est d'empêcher les flammes de s'étendre vers Mégara, une ville côtière à une quarantaine de kilomètres d'Athènes. Des centaines d'habitants ont été évacués et mis à l'abri par la protection civile. L'incendie s'est déclaré mercredi soir dans un village à 90 km à l'ouest d'Athènes. Dans la nuit, le feu a détruit des maisons sur la côte avant de gagner les montagnes au nord de l'isthme de Corinthe. La fumée de l'incendie atteint déjà la capitale et le ministère de la Santé a recommandé d'éviter tout exercice physique en extérieur. Chaque année, la Grèce est confrontée à des incendies de forêt attisés par la sécheresse, la chaleur et des vents violents.